Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, c'est Hélène. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de partager ma vidéo, de laisser des commentaires et puis voilà. Donc aujourd'hui je viens avec un update, une mise à jour sur ma routine capillaire du challenge. Si vous n'avez pas vu la vidéo du challenge, normalement vous êtes supposé la voir. Je vais la mettre ici en carte. En carte, donc voilà, première des choses, les produits. So, il y a un nouveau produit qui a fait son arrivée ou bien son retour dans ma routine capillaire, parce qu'avant j'utilisais ce genre de produit genre les premières années, hein. C'est le Greg Juice de Oyin Handmade. Je sais pas si je vous ai montré ça la dernière fois, mais je ne pense pas. Et donc ça aide pour le cuir chevelu la plupart du temps. Ça aide au cuir chevelu. Ça aide à ce que mon cuir chevelu ne puisse pas être aussi sec qu'il ne l'est d'habitude. Surtout ces derniers temps, il fait froid dehors. Et donc, vous savez, des fois, le cuir chevelu, c'est une partie de la peau. Donc, ça va être sec si, bien sûr, on n'hydrate pas et on ne nourrit pas. Donc, ça m'aide beaucoup. Et il y a du jus d'aloe vera à l'intérieur. Il y a de la lavande. Il y a la rose rouge, red rose. Il y a de la glycérine, il y a de l'orange, il y a encore quoi? Grapefruit, c'est quoi en français? Du pamplemousse, voilà. Donc il y a ça. Et comme d'habitude, le Leave-In de True, que vous connaissez déjà, qui est très bien, qui sent très bon. L'huile d'amande. En fait, je vais vous mettre, je crois que j'ai fait une vidéo sur les produits que je vais utiliser pendant le challenge. Oui, j'ai fait une vidéo, donc allez dans la vidéo. Il y a aussi ça, c'est un oh oui, c'est le traitement, le masque. Donc en fait, il voulait juste, you know, sa seconde de gloire, il devrait même pas être ici, donc oubliez. Donc mes cheveux, c'était en chignon, comme vous l'avez vu la dernière fois. Mais là, je l'ai défait, juste pour vous montrer ce à quoi ça ressemble. Donc, mes cheveux, je dois normalement les laver. Je suis overdue for a wash, comment on dit ça? Il faut vraiment que je puisse les laver, en fait. C'est tout ce que vous devez savoir. Parce que je commence à avoir je commence à avoir du build-up, donc les produits commencent à flic-flic, comme des pellicules, alors que j'ai pas de pellicule. Donc, c'est là où nous en sommes. Voilà. Je sais que j'ai fait un lens check il n'y a pas longtemps, mais bon. Bear with me. Donc les cheveux, ma tête est droite, hein. Les cheveux arrivent ici, là, devant, derrière, mes cheveux arrivent ici. Donc voilà un peu pour cette vidéo. Pour les personnes qui font le challenge, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Et dites-moi si vous avez des difficultés, parce que des fois ça arrive. Comme par exemple moi, je n'arrive pas à masser mon cuir chevelu et à huiler mes pointes tout le temps. Mais bon, ça va aller. Nous n'avons plus que 2 mois, vous savez, janvier, février, parce que le mois de décembre est déjà fini. Parce que novembre, puisque c'est de novembre à février, je crois le 1er mars. En tout cas, le challenge est de 4 mois. Donc voilà un peu, j'espère que vous allez bien en cette période de fête. Souriez. J'espère que vous allez passer du temps avec votre famille, avec vos amis, mais que vous n'allez pas trop manger. C'est pas bien de trop manger. Ok, allez, à la prochaine vidéo. Bye!